le doublé de Toko Ekambi au complexe sportif de Japoma, c'est l'euphorie et l'extase chez les supporters des Lions Indomptables installés devant l'écran géant, au cœur de la fan zone du parcours Vita, village de la Cannes, du quartier Bonamoussadi à Douala. Les Lions sont brillants, ils sont éclatants, ils sont flamboyants. Et on sait qu'ils vont remporter cette CAN. Une joie débordante qui se manifeste avec des embrassades, des cris de joie et de vuvuzela de tous les côtés. Les chanteurs et les groupes de danse traditionnelle ont continué leur animation pendant les 100 minutes de jeu avec le temps additionnel qu'aura duré le duel Cameroun-Gambie. Pourtant, nombreux sont ceux qui, pendant la première mi-temps, étaient anxieux et ne vendaient pas cher la peau des Lions Indomptables du Cameroun. Avec les deux buts de l'attaquant camerounais au dossard numéro 12, qui a d'ailleurs été déclaré homme du match, la calmie est revenue dans les cœurs. Néanmoins, les recommandations sont de mise pour le duel de jeudi prochain contre le prochain adversaire des Lions, qui n'est pas des moindres. Il y a une nette progression dans la collaboration défensive, le fonctionnement du milieu de terrain, mais il manque seulement la finition au niveau de l'attaque. Donc le jeu a beaucoup avancé, mais il met à la réalisation des buts. Les responsables du village de la Cannes et fanzone du parcours Vita de Douala sont satisfaits. Des bonnes affaires et de l'ambiance chaleureuse présentes en ces lieux grâce à la grande messe du football africain et aux amoureux du ballon rond. Les choses se passent très bien au niveau de la fan zone de Douala Bonamoussadi et vous voyez cette très grande affluence et nous sommes très contents, les Camerounais sont contents, ils consomment très bien la bière nationale, ils mangent bien du bon poisson, des brochettes, les Camerounais sont très nombreux ce jour et tous les jours ils viennent très nombreux à la fan zone de Bonamoussadi. Les Lions Indomptables à l'issue de cette rencontre décisive ont offert 50 millions aux victimes du stade d'Olembe pendant tout le match contre la Gambie. Ils ont d'ailleurs arboré des brassards noirs pour manifester le deuil. Les Fauves demeurent les grands favoris de la compétition. Cette année, tous les yeux des fans des Lions Indomptables sont rivés sur la prochaine échéance et tous gardent l'espoir pour la victoire ultime le 6 février prochain.